président de l'Amicale des anciens étudiants et stagiaires sénégalais de Chine. Nous sommes heureux de vous accueillir ici pour l'inauguration de notre showroom de vente de matériel de sport solaire et d'hiver. Ce showroom est équipé de matériel de sport commercial pour les salles de sport, domestiques et de produits solaires et d'hiver, afin de bien répondre aux besoins du marché sénégalais et de la sous-région. Ce showroom contribuera à faciliter l'accompagnement dans l'équipement de vos salles de sport commerciales, privées et en entreprise avec des prix très compétitifs. Étant conscient que le secteur sportif est une industrie dynamique et unique qui offre un marché lucratif en constante croissance digne d'immenses investissements, ayant des impacts sur différents domaines, dont l'économie et la santé. Cela fait partie de nos principales motivations qui nous ont poussés à investir dans ces domaines. L'énergie solaire est régulièrement citée comme étant l'une des énergies renouvelables les plus prometteuses pour un avenir décarboné. Opter pour le solaire avec tous les avantages socio-économiques. Ainsi, le sport, comme je le disais tout à l'heure, incarne avant tout un état d'esprit. Le sport n'est pas que de compétition. Il est encore comme les rêves, un loisir gratuit, celui qui se vit et non qui s'achète. Le sport constitue aussi par ailleurs un formidable vecteur d'innovation et de promotion sociale et humaine. Un véritable facteur de cohésion sociale, porteur de valeurs, celles de l'égalité, de fraternité, de fédératrice et génératrice de solidarité, assurant l'épanouissement et le bien-être de tout le monde. Et permettez-nous, dans la plus grande reconnaissance que nous devons à notre équipe et les passionnés du sport, cette cérémonie d'inauguration à t'en mettre à l'honneur et valoriser le travail, l'abnégation, l'exemplarité, le dépassement de soi et le courage de l'ensemble du personnel de KMBC et de Selix Corporation Group. Mais c'est aussi et avant tout l'occasion de mettre en lumière l'engagement et le dévouement, la passion, l'implication de ces leaders. Nous le savons tous, les coachs sportifs sont des véritables motivational speakers, capables de bosser une équipe en quelques minutes. Nous encourageons le président de l'Association des moniteurs et fitness du Sénégal et leurs membres actifs, les acteurs du fitness, les coachs par le travail remarquable que vous effectuez au quotidien. Sachez que vous êtes les premières forces de défense préventive du bien-être. Nous remercions tout l'ensemble de nos partenaires présents aujourd'hui à cette inauguration de notre showroom et ministère de sport VIP. Je veux citer particulièrement Wave Mobile Money par son soutien et assistance. Merci infiniment à Madame la Directrice et merci aussi à votre personnel très dynamique. Nos remerciements à notre amicale des anciens étudiants et stagiaires sénégalais de Chine par leur présence et leur conseil. Nos remerciements à nos familles respectives par leur soutien illimix sur tous les plans et nos épouses, particulièrement à Coco l'Infatigable. Pour terminer, nous remercions tout le monde ici présent. Sachez que votre présence nous va droit au cœur. Nous remercions aussi nos femmes, nos familles, nos enfants et tous les proches par leur soutien sans relâche. Bon, j'en profite pour raconter pourquoi cet aigle sous notre logo. Connaissez-vous l'histoire de l'aigle? L'aigle a la plus longue durée de vie de ses espèces. Il peut survivre 70 ans, mais pour atteindre cet âge, l'aigle doit prendre une décision très difficile. Dans sa 40e année, les longues serres flexibles ne peuvent plus saisir une proie qui les sert de nourriture. Son bec, long pointu, devient plié. Ses vieilles ailes lourdes, en raison de leurs plumes épaisses, collent à sa poitrine et il est difficile de voler. Ensuite, l'aigle se retrouve avec seulement deux options. Mourir ou passer à un douloureux processus de changement. Ce changement dure 150 jours, 5 mois. Le processus nécessite à l'aigle de voler au sommet d'une montagne
et s'asseoir sur son nid. L'aigle cogne son bec contre un rocher jusqu'à ce qu'il se casse. Ensuite, l'aigle va attendre que le nouveau bec repousse, pour après quoi qu'il arrachera ses serres. Lorsque ses serres repoussent, l'aigle commence à enlever ses vieilles plumes âgées. Et après cela, l'aigle prend son fameux vol de renaissance et de vie pour les 30 années et plus. Pourquoi le changement est nécessaire? Afin de survivre et de vivre, nous devons aussi démarrer le processus de changement. Nous avons parfois besoin de nous débarrasser des vieux souvenirs désagréables, des habitudes négatives et des idées figées. C'est seulement se libérer des vieux fardeaux que nous pouvons prendre l'avantage sur le présent. Si un aigle peut sauver sa vie et décider de changer sa vie à l'âge de 40 ans, pourquoi pas nous, êtres humains? Afin de faire... S'il vous plaît. Afin de faire un nouveau voyage, il faut abandonner les anciennes croyances négatives qui nous limitent. Ouvrons notre esprit et laissons-nous voler haut comme un aigle. Quand il pleut, tous les oiseaux occupent un abri. Mais l'aigle évite la pluie en volant au-dessus des nuages. Ne perdez pas votre temps pour des détails ou futilités. Le problème est commun à tous, mais l'attitude pour le résoudre qui fait la différence. Ne pas avoir peur du changement. Soyons des aigles. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Sénégal. Nous vous remercions.